Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment indenter son code HTML. On va regarder un petit exemple. Donc on va prendre un fichier HTML donc qui produit un certain affichage. Voilà. Et donc nous ce qui nous intéresse, on va aller regarder ce code HTML dans un éditeur. Alors on voit que ce code, il est, donc je vais le modifier un petit peu. Voilà, il a été écrit, mais sans aucune indentation. Donc, je pourrais continuer à faire ce que je suis en train de faire dans un petit bout de temps. Voilà, dire voilà. Dans le head qui commence ici, qui finit là, on a trois lignes. J'indente tout ça. Après, il faudra que je fasse la même chose pour le body et on continue. Donc là, j'ai commencé à indenter le début de mon document. Bon, c'est quelque chose qui prend un peu de temps, qui est fastidieux. On a autre chose à faire dans la vie. Donc on va bah là je le ferme sans enregistrer. Donc ce qu'on va faire, donc je vais le réouvrir, on va regarder comment indenter ça sans trop se fatiguer. Voilà. Donc on va aller dans notre moteur de recherche, on va écrire HTML formateur. On va trouver un site qui s'appelle HTML formateur. Alors ce site-là il sert à faire quoi? Il sert à indenter notre code, donc à faire apparaître la structure de notre code. Donc je fais CTRL A, ça sélectionne tout, CTRL C, je copie, je vais paste coller mon code, CTRL V, voilà, et je vais dire formater. Et là voilà, il nous a formaté notre code. CTRL A, je copie tout, CTRL C, CTRL, je sélectionne tout, CTRL C, je copie. Et après, je vais remettre ça là, ici. Je peux à nouveau enregistrer. Donc là, maintenant, je suis content parce que j'ai mon code formaté, donc indenté, hein, donc avec le décalage comme il faut. On voit bien que le head, il est dans le div, le div, il est dans le body. Et le body, il est dans l'HTML. Donc une fois que cette indentation est bien faite, je vais quand même actualiser pour voir si mon paresseux s'affiche toujours pareil. Voilà, donc il n'y a aucun souci. Et j'ai réussi à indenter mon code, donc à faire apparaître la structure de ce code-là. Donc bah maintenant qu'on s'est indenté notre code HTML, il est temps d'aller se reposer. Sur ce, bah, merci pour votre attention. Je vous remercie bien. Si vous avez aimé, bah, vous pouvez liker ou vous abonner. Allez, à bientôt. Au revoir.